Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tournoi du lundi que je vais peut-être devoir réaliser en plusieurs fois, mais bon, vous, ça change rien, tout va bien, calmez-vous. C'est formidable. Ok. Donc, on commence par l'équipe Kakuzu, évidemment. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on devait tout reculer. Vu qu'on joue Zetsu. Alors je préfère mettre bien dans l'ordre des positions, évidemment. Et voici le petit Zetsu. Ok, au niveau des reliques, qu'est-ce que les reliques sont bonnes? Ah, ça m'étonnerait que ce soit tout bon, hein. Ok. Au niveau des poursuites, par contre, cependant, ok, en fait, ça va. Ok, on y va. En espérant trouver un adversaire, un autre auteur. Pas trop fort ni trop faible, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Allez, à tout de suite. Ok, bah évidemment, juste quand j'ai le temps de finir ça, je tombe contre un adversaire. Ok. Ok, le match peut être tout à fait un peu intéressant, il faut réussir à cutter le. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah. Aïe 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 aïe. Fallait empêcher la Karine de lancer son ultime. Alors on est vraiment mais pas bien du tout. Ok. Alors attention les dégâts évidemment. Alors faut que j'observe avec intention à quel ninja mon Kakuzu donnera deuxième auto-attaque. Faut juste tenir le coup. Ok, c'est à celui qui est dessous. Bon, ok. J'ai perdu le main terre. Bon. Poc, poc, poc. Poc, poc, poc. Je vais préférer tout de suite activer ça. Oh, oh c'est intéressant, on a réussi à choper un Suigetsu, plusieurs Karines. Ah, c'est intéressant ça. Je pense qu'en late game, on va gagner. Alors, est-ce que ça. Ajouter un ultime de Gekuzu, ça nous donne quoi? Ça lui donne une auto-attaque supplémentaire sur Karine, ok. Okay, alors ce serait pas mal que mon Suigetsu survive. Ah, ça risque d'être compliqué, complexe. Oh, okay. Mon Suigetsu va survivre. Il va falloir le soigner comme jamais. Et c'est vrai que pas de soin pour l'ami Suigetsu. Aïe aïe aïe, terrible. J'ai extrêmement envie de pénibiliser un tout petit peu la Karine. Voilà. Ah, dommage qu'on n'a pas gardé Main Terre. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ok. Prochain tour, je pourrais lancer l'ultime de Suigetsu. Ok, on travaille un maximum de Suigetsu, on diminue un maximum sa défense.
Ouais. Il est un peu le bouclier, ça donne un soin supplémentaire. Ouais, c'est peut-être tout de même assez intéressant de le faire. Je suis lancé Zetsu. Oh, intéressant, on gagne pas de Zetsu. On va gagner un maximum de shield, ça c'est une certitude. J'aurais bien aimé avoir un petit Suigetsu, mais bon. Là, on va réussir à diminuer sa défense à 0. On espère en tout cas. Du coup, on combat avec les combos de l'adversaire. On attaque un peu le Menter. Double contrôle échoué, ce serait quand même pas mal de notamment l'immobiliser. Full soin, full soin, full soin, ok. Une attaque supplémentaire à Zetsu, peut-être pas forcément exceptionnel. J'ai essayé de paralyser un peu la Karine. C'est un peu ces debuffs qui peuvent m'embêter. Ça fonce directement sur mon Kakuzu. Heureusement, ce n'est plus mon DPS à cet instant. Ouais, s'il a préféré abandonner, c'est vrai que ça allait être extrêmement compliqué de renverser la vapeur. Il faut juste mettre le Menter. Alors, est-ce que ça a foutu le boxon dans l'héroïque? Non, ça. Tout va très très bien. Ok, on y retourne. Et à tout de suite. Ok, on trouve un autre adversaire. Il s'agit de Haru. Oula, 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 oula. Haru Teiya Anzu. Oula, décidément. Ça va être compliqué. Mais tout va bien. On va pouvoir ultimenter. On peut se permettre de pénibiliser un maximum son Menter. Et pourquoi pas avec l'outil de Kakuzu. Qu'est-ce qu'on pourrait réaliser par exemple? Une petite attaque sur son main, je pense. Voilà, on entame un tout petit peu ses points de vie. Tout va bien. Je vais prendre l'amélioration de résistance. Je vais pas avoir une énorme capacité à soigner mes blessures. Donc autant ne pas en prendre beaucoup. Attention au prochain tour. Est-ce qu'on peut éventuellement essayer de cutter notre ami Shiryu? Traversaire est extrêmement patient tout de même. Extrêmement patient. Ok. On peut se permettre d'utiliser l'outil Zetsu à ce moment précis. On a chopé beaucoup de Menfeu et deux Kuronai. Bon, ça suffit. Ok. Excellent. Et on y retourne. Allez, à tout de suite. Ok, on a trouvé un adversaire. Il s'agit de Yuji Izaku. Ah, ça va être extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible. Pour notre adversaire. Ah, malheureusement. Après, je pense que c'est peut-être potentiellement un reroll, vu sa combativité. Je l'espère en tout cas. Allez, on y retourne directement. À tout de suite. Ok, on trouve un adversaire. Alors, Tigrou 974. Ok. Ah bah ça va être du rapide, je pense. Bon, il n'y a pas trop grand chose à commenter là-dessus, hein. Malheureusement, c'est beaucoup trop disparate en termes de combativité. Okay. Et dernier
Non, c'est non, non, c'est pas du tout le dernier. Il peut se passer tant de choses. Bon, allez, je relance et puis à tout de suite. Ok, je trouve un adversaire. Il s'agit de Shigoki Mitsui. Ah, je pense que ça va être aussi one-sided. Oh, il possède Azura. Attention, attention, attention. Mais malheureusement, oui. Tu m'as déjà fait un peu trader le combat, mais c'est. J'ai bien peur que ce soit Terminado tout de même. Voilà, pour être sûr, on pénalise un peu avec Suige Getsu histoire qu'elle puisse pas lutter à ce tour-ci. C'est juste Terminado. Ouais. C'est bizarre, il y a. Attendez, il était l'heure 19h36. Attendez, on est lundi. Est-ce que je rate un événement quelconque là? Bah non, le lundi, c'est pas le jour de la Terre des Lumineux, donc. La Terre des Épreuves. Bon, vous connaissez, hein, évidemment. Et voilà. Ouais, je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être que tout le monde est en train de manger, peut-être. Ouh là là! Attendez, il y a un truc qui commence à apparaître. Ah oui, c'est le nouveau truc de Windows là, truc horrible. Bon, je vais couper là, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.